Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en sous la neige pour une nouvelle vidéo. Et oui, on a une nouvelle voiture. Regardez ça, c'est la nouvelle Porsche. Donc elle est chez Beniz. Je l'ai acheté. Et oui, je l'ai profité pour l'acheter, les amis. Parce que des fois, en fait, je vous présente des véhicules, je les achète jamais. J'achète jamais les véhicules. Donc en fait, à chaque fois, bah voilà, ça c'est pas trop. Donc j'ai profité de m'acheter autre chose avec. Donc je vous montrerai un peu plus tard. Donc voilà la petite Porsche qui est ici. Donc avant, après, elle est vraiment stylée. On va regarder les critères qu'on choisit d'habitude. Vitesse maximum, voilà, il manque une barre et c'est fini. Accélération pareil, c'est bientôt la fin. Freinage, il y a deux barres. Et traction, c'est pareil. Donc on va aller chez Beniz et on va aller voir. En plus ça glisse pas mal en sous la neige. Donc c'est le cadeau qu'on a eu par Rockstar. Donc, cadeau de Noël, donc merci Rockstar. Ils sont gentils hein, quand même, les Pères Noël. Après, je sais pas si on a eu autre chose ou pas avec. Alors, je vais pas la transformer parce que ça coûte tellement cher des fois. Non, je vais pas la transformer. On va. Oh, quoique ça me tente en fait. Oh, puis voilà, j'irai revendre les autres véhicules. Voilà, je l'ai transformé. Elle est belle, hein? Vous avez vu la différence, hein? Je le fais en vidéo parce que d'habitude, je le fais jamais. Hein. On a des pourcentages sur les véhicules. Frein, ok. En fait, elle est classe comme ça. Alors, bah, les pare-chocs qui tuent, en fait. C'est vraiment des gros pare-chocs qui tuent. Oh, bien sûr, c'est cher. Et bon. Après c'est dommage, c'est une autre couleur en fait, parce que il y a deux couleurs, donc c'est ça qui est un peu dommage. Ah c'est normal, c'est la couleur secondaire plutôt. Ça c'est... C'est la barre anti-rapprochement. Là, je connais pas du tout. Je vous promets, je connais pas parce que j'y vais jamais chez Beniz. On voit pas le moteur, c'est dommage. Échappement. Beniz, en fait, j'y vais jamais parce que j'ai pas les thunes, en fait, donc voilà. C'est quand on y va pas, c'est chaud. C'est quoi ça? L. Ok, c'est les ailes. On regarde vite fait. C'est juste la couleur secondaire qui va pas. Capot. Donc on regarde le capot, bien sûr. Alors, ça change pas. Après, c'est la couleur. Klaxon, habitacle, aménagé, pare-soleil, d'accord, c'est le pare-soleil, c'est ça? Ouais, pare-soleil, couleur. Couleur de finition. Ça change quoi en fait, je vois pas la différence. Ah oui, d'accord, c'est sur les côtés, c'est au niveau des portes, ok, ça va. Tableau de bord. Ah, on voit pas grand chose, c'est dommage. Ah, elle est beau. D'accord, et j'y vais pratiquement jamais, donc je connais pas du tout, donc je découvre en même temps. Ça, c'est le niveau des portes, ok, on va laisser comme c'est. Les fauteuils. Mince, je vais. Le volant. Le siège plutôt. Volant, voilà, c'est ça que je voulais faire. Allez, on va faire vraiment une belle voiture. Couleur. Ok. Ça, c'est la calandre. C'est l'intérieur, donc ouais. Éclairage. Motif. Voilà, vous avez vu, on peut la modifier en fait. Bon, je laisse comme ça. Ah oui, je l'assure, c'est sûr. Peinture. Crew. Metal. Allez, on va regarder les couleurs de la petite Porsche. Je prends toujours noir et bleu, donc je vais voir pour trouver une autre couleur. Alors, on va aller autre part, métallisé. Ah voilà, oh, elle est classe comme ça. Elle est belle. Faut dire, faut, voilà, faut dire vraiment le... Faut vraiment le dire, elle est belle comme ça.
en noir carbone, elle est vraiment stylée. Après, dites-moi la voiture ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté. Je profite, je le fais parce que sinon je le ferai pas. J'ai pas beaucoup d'argent, vous avez vu. Donc si des personnes qui l'ont acheté, dites-moi le. Si vous l'avez pas acheté, voilà, donnez quand même votre avis pour savoir ce que vous en pensez du véhicule. Si c'est trop cher, si c'est moche, si elle est belle, si elle est pas belle. On verra pas ça encore. Je vais prendre le carbone. Couleur secondaire, on était métallisé. Je sais pas quoi prendre. On va prendre noir aussi. Hein. Carbone, tout qu'à faire, ça sert de. Merde, couleur. Attends, couleur de finition. Oh, c'est sur les côtés. Emblème du crew. Vendre. Bas de caisse. Bon, après ça change pas, c'est toujours les mêmes en fait, c'est juste. Ça change pas. Aileron. Ça c'est du aileron, mon pote. Tu t'en vas avec ça, t'es tranquille. Ah, j'ai passé. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Suspension. Ouais, ça descend pas. Transmission. Turbo. Roue. Fenêtre. Ok les amis, on a fini. Hop là. En sous la neige, ça va bien glisser. Je l'ai pris noir, mais j'aurais pu la changer de couleur. Donc voilà, une voiture qui est custom. De toute façon, j'en ai d'autres, mais des voitures, mais je veux les revendre parce que je m'en sers jamais. Et puis, voilà. J'en ai trop et ça me sert à rien. Faut une fois de la thune. Donc je vais voir pour les revendre. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, vraiment plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, c'est la première fois que je présente une voiture, c'est tellement rare que j'achète une voiture. Je le fais parce que j'avais les sous, sinon je le fais pas. Là j'ai plus de thunes, donc faut que je me remette de la thune en faisant des missions. Mais j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et de laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à très vite, profitez bien de la nouvelle voiture et de la neige. Et bah, surtout aussi, joyeux fêtes, et un joyeux Noël, puis... Du coup voilà, moi je vous dis à très vite et ciao bye bye, salut tout le monde.